c'est pour moi une grande joie. Et j'étais très ému quand j'ai appris, quand j'ai reçu ma notification, il y a si peu, je crois il y a 2 semaines, j'étais notifié à travers une lettre qui est venue de l'Afrique centrale, du Gabon, plus précisément de Libreville, de la part de Monsieur Louis Iba, et qui m'a donné cette responsabilité en tant que coordonnateur des jeunes francophones de la RDC. Donc j'ai bien accueilli cette nomination, d'autant plus qu'il y a déjà quelques mois de cela, j'ai eu la visite de nos jeunes gens qui sont passés à Fungurume, où j'exerce la fonction de bourgmestre de commune. J'ai été primé, on m'avait remis un prix, et à 2 reprises, si je m'abuse, pour la bonne gouvernance et pour l'encadrement des jeunes. Donc, moi je trouve que c'est une grande responsabilité pour moi de pouvoir aujourd'hui encadrer ces jeunes qui sont et qui vont vivre autour de nous. Comme vous savez, l'OIF, c'est une grande organisation internationale qui renferme les pays qui ont en commun la langue française, dont le siège se trouve à Paris. Et comme vous savez, la RDC, c'est l'un des grands membres et le membre, si pas le plus influent, par sa démographie et sa superficie. Donc, pour moi, je me dis que ce choix, c'est une grande responsabilité et ça me va droit au cœur. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont porté le dévolu sur moi. Et je crois que je vais pouvoir encadrer ces jeunes gens qui ont placé leur confiance en moi. Et je crois que je suis un modèle pour eux. Je ne suis pas parfait, mais je crois qu'ils vont prendre ce qui est du bon côté que j'ai fait dans ma carrière. Les stratégies sont là, mais moi je ne voudrais pas qu'elles soient miennes seulement. Et comme vous savez, je ne dois pas travailler seul. Et dernièrement, je crois que le chef de l'État, vous avez suivi, il y a eu certaines nominations. On a nommé quelques directeurs qui, dans le cadre des Jeux de la francophonie qui vont se jouer ici en RDC, je crois que nous allons travailler de commun accord avec eux. Et en dehors de cela, il y a aussi certains ministères qui sont impliqués, notamment le ministère de la coopération et intégration régionale. Donc je dois avoir tout le temps de prendre langue avec tous ces différents ministères. Et je crois qu'à l'issue de ces contacts que je vais avoir très récemment, nous allons dégager une stratégie commune pour qu'on ne puisse pas aller chacun dans son sens, dans le sens qu'il veut. Donc, je voulais d'abord prendre contact auparavant et nous allons déterminer les stratégies que nous allons mettre en place. Sinon, nous voulons valoriser la jeunesse congolaise qui est une jeunesse très dynamique. Vous savez, on ne peut pas se développer sans compter sur la jeunesse. Cette jeunesse, si elle est bien encadrée, je crois que nous sommes partis pour un développement intégral. Donc, tout repose sur la jeunesse, une jeunesse bien encadrée. Quand la jeunesse, elle a eu une bonne formation, des bonnes bases au départ, je crois que nous pouvons nous attendre au miracle. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ailleurs, nous pouvons le vivre ici chez nous. Donc moi je pense que cette jeunesse, il faut tout simplement l'encadrer. Par exemple dans le secteur d'entrepreneuriat, je crois que dans le système, par exemple sur le plan
sportif. On peut exploiter beaucoup de choses dans cette jeunesse et ça peut nous remonter et nous pouvons refaire surface.